Ils se sont donnés à 2000%. Et leur coach aussi, Amel Bent. Bravo. Quelle battle! Bravo! Ça, c'est une battle! Ça, c'est une vraie battle! Une vraie battle! C'est des guerriers! Mais vous vous êtes battus comme des lions! On était dans l'arène. C'est une vraie battle. Je crois que c'est depuis que je suis coach dans The Voice Kids. C'est la première fois que je vois une battle aussi. Battle, quoi! Puissant! Vous aussi. Étiez puissant! Chacun avec votre voix pour arme. Mais vous m'avez envolé, quoi. Vraiment, bravo. Bravo à tous les trois, bravo. Jennifer. Ah oui, ça envoie sévère. Il y a une signature vocale, vraiment, chez tous les trois. Mais celle qui m'a vraiment touchée ce soir, c'est ton grain de voix à toi, Ali. Merci beaucoup. Amélie, Ali, Enzo, déjà vous pouvez être fiers de vous parce que la chanson c'est un piège. Hein. Je leur ai dit. Oui, tu leur as dit, bref, c'est un vrai piège. C'était une prestation exceptionnelle, des notes perchées comme j'en ai rarement entendu. Je vous félicite, vraiment. Merci voilà. beaucoup, merci. Mais moi aussi je partirai avec Ali. Merci. Je voudrais bien avoir le ressenti du coach soprano. Dès que j'ai entendu les premières notes, j'ai dit oh la tona là. J'ai regardé Amel, j'ai dit elle est folle. Et d'un coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont envolés. Après, c'est vrai qu'Ali, il a un grain de voix que j'ai. Ali a lui l'animité, hein. Ali, ce Merci soir. Beaucoup. Bon. Ouais. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous, maintenant, ma chère Amel Bent? Moi, j'avais des petits challenges pour chacun d'entre eux. Je vais commencer par Ali. Ali, grande technique vocale, hein, tu le sais. Et c'est vrai que voilà, j'avais du mal à te capter, en fait, à comprendre ce que tu voulais dire quand tu chantes. Et c'est pour ça que j'ai voulu te mettre dans ce trio et te faire chanter en français. Bah t'as bien fait, parce que quand ta voix elle est au service des mots, ça prend tout son sens, vraiment. Donc bravo, t'as relevé ce défi merveilleusement bien. Amélie, tu nous viens d'ailleurs du Canada, donc techniquement, c'est vrai que t'avais forcément envie de la jouer un peu à l'américaine et d'en mettre un peu partout. Voilà, ton challenge, c'était de mettre les mots en avant et la technique après. C'est ce que t'as fait. J'ai adoré, t'as relevé ton défi. Merci.
Enzo, toi, t'as une signature vocale unique. Et ça, c'est ta force et c'est de l'or. Et ce soir, tu m'as mis du rock'n'roll dans Envoie-le-moi. Et en plus, t'as tapé les notes. T'as eu les mêmes notes qu'Ali et Amélie, pratiquement, à 2-3 notes près. Donc franchement, chapeau Enzo. Je suis fière de toi aussi. Merci. Donc oui, c'était une battle de haut niveau. Vous avez tous les trois déchiré. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un petit crush pour Ali. Merci Ali. Ali, le gagnant de cette battle dans l'équipe Level Pen. Quelle aventure. Bravo tous les trois. Bravo. Un calme. Qu'on retrouvera lors de la demi-finale. Quelle aventure, bravo, mon cher. Bravo Enzo. Bravo Amélie. Bravo. Vous avez déchiré. C'était super. C'est donc le jeune Ali qui s'impose dans cette battle et qui continue la compétition dans l'équipe d'Amel Bent. Je trouve comme ça... C'était pas prévu, ça. Je pensais pas, mais vraiment, merci à Amel et merci à mes coéquipiers. Je leur souhaite que du bonheur. On est trop fiers de toi. Allez, on se revoit vite. Bravo, vous deux. Applaudissements pour Amélie, la belle voix venue du Québec. Et notre bluesman, Enzo. Salut les enfants. Ciao. Bisous. Malgré leur talent, Enzo et Amélie quittent le concours de Voice Kids ce soir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connectés. À plus tard.